Ce mardi 9 mai, Mathieu, candidat incontournable de la 15e saison de L'Amour est dans le Pré, a publié une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il donne des nouvelles difficiles de son parcours pour devenir papa. Des nouvelles difficiles. Mathieu est un candidat incontournable de la 15e saison de L'Amour est dans le Pré. Pendant l'émission, l'agriculteur appelle à rencontre d'Alexandre, avec lequel il a eu une histoire d'amour fusionnel. Ils ont ensuite vécu une belle relation à l'écart des caméras, et se sont même dit oui en présence de Karine Le Marchand, émue par la cérémonie. Cependant, ceux qui ont bouleversé les téléspectateurs avec leur amour, ont annoncé leur séparation il y a plusieurs mois, alors qu'ils avaient commencé ensemble le parcours pour devenir papa. Finalement, Mathieu a décidé de continuer cette aventure tout seul malgré les maladies génétiques dont il souffre. Il y a un mois, je vous annonçais avoir 8 ovocytes avec plein d'espoir. Mathieu est déterminé à mener à bien son projet de construire une famille. Malgré ses maladies génétiques incurables, l'agriculteur sait qu'il peut compter quoi qu'il arrive sur sa sœur avec laquelle il est très fusionnel. Et ce mardi 9 mai, Mathieu a donné des nouvelles difficiles à propos de son parcours de GPA. Hello les amis, il y a un mois, je vous annonçais avoir 8 ovocytes avec plein d'espoir. Aujourd'hui, c'est le cœur gros que je vous annonce n'avoir qu'un seul embryon viable, a-t-il confié à ses abonnés dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, disponible ici. Il faut rechercher une nouvelle donneuse. Mathieu a ensuite expliqué que les maladies génétiques dont il souffre nécessitent de prendre davantage de précautions dans le processus, et il n'est donc pas possible de continuer son parcours pour le moment. Et compte tenu des maladies génétiques que j'ai, le protocole nécessite 4 embryons viables. De surcroît, s'ajoute le fait que la donneuse d'ovocytes est partie faire le tour du monde. Donc, il faut rechercher une nouvelle donneuse, recommencer le processus. Voilà, ce sont les montagnes russes. Mais bon, on continue. Forza. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, a-t-il alors conclu. Dans les commentaires, ses abonnés lui ont envoyé une centaine de messages de soutien face à cette nouvelle douloureuse. À lire aussi, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts, en plein voyage, Mathieu, L'Amour est dans le Pré, raconte la souffrance que lui provoque sa maladie.